Et on est en live. Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ce live Digiphoto où on va parler ce soir du Sony A7S3 et du 2470 de 8G Master que j'ai dessus. Alors, certains me connaissent et d'autres probablement pas. Je suis Loris Romano, je suis photographe et vidéaste en Lorraine. Et je suis vraiment ce qu'on peut appeler un photographe de terrain, c'est-à-dire que je ne suis pas un grand technicien. J'ai jamais ouvert de boîtier parce que j'aurais peur de faire des conneries. Mais je suis quelqu'un qui utilise des boîtiers quotidiennement. Du matin au soir, j'ai toujours un appareil photo sur moi. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de ma relation. Je vais vous parler de mon test du Sony A7S3. Ça fait 3 semaines que je l'ai avec moi et du coup, j'ai filmé des choses. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, petite présentation du boîtier. Le Sony A7S3 est un boîtier hybride, très orienté vidéo, mais qui fait également des photos, avec un capteur de 12 millions de pixels. Alors, 12 millions de pixels, pourquoi? Si tu es photographe, c'est quelque chose qui va peut-être te t'accrocher l'oreille. Parce que ça lui permet, c'est un capteur de 12 millions de pixels rétroéclairé, ça lui permet d'avoir quel est le mot que je cherche? Ça lui permet d'avoir des performances en basse lumière assez exceptionnelles. C'est un boîtier qui monte très 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 fort en ISO. Et du coup, on verra ça plus tard avec ce que j'ai filmé. Il a des particularités qui m'ont beaucoup plu. Quand je filme en vidéo depuis toujours, on n'arrête pas de dire que l'AF en vidéo c'est ingérable et c'est impossible. Et ben j'ai envie de dire que ça l'était jusqu'à ça. On verra ça très en détail, je continue un peu le tour du boîtier. Donc 12 millions de pixels, capteur rétroéclairé. On a quelque chose de génial qui est un écran sur rotule. Et ça, on va en parler longuement parce que ça, c'est quelque chose qui peut vite manquer une fois qu'on y a pris goût. Donc globalement, comme je vous le disais, c'est pour moi un boîtier qui s'oriente évidemment vers la vidéo, qui a des spécificités vidéo qui sont très 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 puissantes. C'est un boîtier, c'est marqué dessus d'ailleurs, qui fait de la 4K. On arrive à un tournant, je trouve, en ce moment, où on a des boîtiers qui font de la 8K, qui font de la 12K, chez Blackmagic par exemple. Et Sony fait le choix d'un boîtier purement 4K. Alors là, c'est une interprétation personnelle, évidemment. Je ne suis pas de chez Sony et je les ai, j'ai pas eu de discussion avec eux à ce sujet-là. Mais j'ai l'impression qu'on a un discours qui est la 4K, en fait, on est encore en plein dans l'ère 4K. C'est-à-dire que beaucoup de boîtiers filment en 4K, mais la diffusion 4K n'est pas encore généralisée. Souvent, les vidéastes comme moi, on se sert de la 4K pour zoomer dans l'image, pour avoir des effets de zoom, des effets de traveling. Et la diffusion 4K n'est pas encore vraiment actée de nos jours. Ça arrive, mais ce n'est pas une généralité. Donc, j'ai l'impression que Sony s'est dit, on va faire un boîtier 4K parce que la 4K, eh ben, c'est encore d'actualité, mais par contre, on va faire de la grosse 4K. Et là, c'est vraiment, vraiment de ça qu'on parle. Alors, pour les gens qui veulent des détails un peu techniques, on a de la 4K en 4:2:2 10 bits à 120 images par seconde. 120 images par seconde, globalement, ça sert à faire des ralentis, de très beaux ralentis. Et en général, sur les boîtiers autres, comme moi par exemple, j'ai un GH5, si je veux faire du ralenti, je suis obligé de faire une concession sur la qualité d'image. Alors que du coup, ce boîtier-là filme en 4:2:2 10 bits et en 4K jusqu'à 120 images par seconde. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de faire de concessions sur la qualité d'image si je veux un plan ralenti et un plan normal dans ma timeline, donc dans mon projet vidéo. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé de très 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 appréciable. Parce que du coup, c'est vraiment ça l'idée, c'est pas de concession. Je veux filmer en 4K, je filme en 4K. Et je me pose pas de questions si je veux ralentir mon plan ou pas. Je me dis pas est-ce que mes couleurs vont baver. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 appréciable. On va donc parler, en fait ce test il va se passer de plusieurs façons. J'ai tourné 5 petites vidéos avec. Parce que déjà, je l'ai eu que quelques semaines. Donc ça prend du temps de faire des vidéos. Et puis en période de Covid c'est très compliqué de réunir du monde pour des tournages. Donc j'étais un peu frustré d'avoir une telle bête entre les mains. Et de pouvoir filmer si peu avec. Finalement, j'ai fait 5 petites vidéos qu'on va regarder ensemble. Et l'idée, c'est que je vous présente les vidéos et chaque vidéo va parler d'un aspect du boîtier qui est vraiment à mettre en avant et que j'ai aimé. Et du coup, on est encore une fois comme d'hab, on est en live, c'est ouvert.
Le chat est là pour vos questions. S'il y a des questions sur ce que vous voyez, vous me les posez et du coup, j'y répondrai en direct. On va peut-être regarder ce qui se passe dans les menus. Qu'est-ce que tu en... Ah, je vais le brancher, hein, Fabien. Hop, le boîtier est branché. Donc là, techniquement, si je l'allume, vous voyez ce que je vois. T'as rien? Ça y est. Est-ce que je peux l'avoir du coup? Parce qu'il faut que je les vois aussi sur l'écran. Ok, donc en fait, je voulais juste vous parler de ça parce que moi, mon truc, quand j'ai un boîtier vidéo, ma seule hantise, c'est de pas filmer dans le bon format. C'est un truc, ça paraît très con, mais tout comme en fait en photo, on dit bah, shooter en RAW si vous voulez la meilleure qualité d'image. Si tu oublies de mettre ton appareil en RAW, eh ben, t'es foutu quoi. Donc du coup, l'idée ici, c'est juste que je vous montre un peu les formats. Il faut que tu me remettes les, si tu peux. Voilà, c'est un peu que je vous montre un peu les formats d'enregistrement parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Et même si les noms paraissent un petit peu barbares quand on n'y connaît rien en vidéo, finalement c'est très très simple. On a ici, hop, ça va. On a ici 5 formats de vidéo. Le premier, qui s'appelle XAVC HS 4K, filme donc en 4K comme c'est marqué dedans. Et c'est ce qu'on peut appeler le format qui va vous donner le meilleur compromis entre qualité d'image et taille des fichiers. C'est vraiment un format qui est fait pour ça. Par contre, il filme en H265, ce qui veut dire que la compression est très bien gérée, mais que ce n'est pas reconnu partout. Ce n'est pas le format le plus généralisé. Mais c'est un format qui vous permettra de garder un peu de place sur votre carte mémoire. Le format d'en dessous, c'est le même en fait. XAVC est 4K et HD. Le premier filme en 4K, le second en HD. Ça, c'est un peu le format global. Globalement, moi, j'ai filmé avec ce format-là et je vous conseille de filmer avec ce format-là pour des projets de tous les jours ou même des projets un peu plus haut. C'est un format qui vous permet d'avoir une qualité d'image très, très, très bonne en H264, du coup. Et en fait, la petite explication par rapport à celui d'après, celui d'après, c'est un format qu'on appelle All-E, c'est-à-dire que c'est le format le plus puissant, mais c'est également celui qui va vous bouffer le plus de place sur votre carte mémoire. Pour une petite comparaison, si je me mets en XAVC SI, donc All-E, sur ce boîtier avec une carte de 80 Go, je filme 25 minutes. Avec le format du dessus, je filme 1 heure. Donc la différence est vraiment énorme. Et à quoi tient la différence? C'est qu'en fait, quand une caméra filme, si vous voulez, le capteur va enregistrer des mouvements, c'est-à-dire que les parties de l'image qui ne bougent pas, le boîtier considère que ça ne bouge pas, donc je ne les prends pas avec. Quand on est en All-E, le boîtier prend toute l'image à chaque fois, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une image, elle est entièrement imprimée sur le capteur, et ce qui veut dire que du coup ça bouffe énormément de place sur la carte mémoire. C'est donc dans ce dernier format que vous aurez la meilleure qualité d'image à l'interne sur le boîtier et qu'on va arriver jusqu'à des transferts du coup de 600 mégabits seconde. Pour ces formats là qui sont vraiment vraiment gourmands en carte mémoire, Sony a du coup mis une carte mémoire d'un nouveau type qui est la CF Express type A, qui est une carte mémoire qui encaisse énormément bien les hauts débits, mais qui du coup il faudra prendre avec pour ce genre de gros format. Alors je vous ai dit, je vous ai parlé de meilleure qualité d'image à l'intérieur du boîtier avec ce All-E. Parce que en utilisant un Atomos 5 et le port HDMI, on peut filmer en RAW 12 bits. Et donc le RAW est une qualité d'image encore au-dessus, mais du coup il faut s'équiper d'un enregistreur externe, qui pour le moment est l'Atomos 5. Et voilà. On va peut-être commencer à regarder des vidéos, histoire de parler un peu de choses plus factuelles, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. La première fois, j'avais une séance photo avec Erin. Et je me suis servi de ce boîtier-là pour faire une petite vidéo de démonstration. Je voulais juste voir bêtement ce que le boîtier me proposait, c'est-à-dire que j'ai mis l'appareil sur pied avec l'autofocus qui est donc sur l'œil. Et j'ai demandé à Erin de poser devant moi. Tu peux lancer, Fabien, la première vidéo.
Voilà, donc j'ai fait beaucoup de vidéos assez courtes pour à chaque fois vous montrer un peu ce que j'ai fait avec ce boîtier. Là, ce qui s'est passé, l'appareil était sur pied avec l'autofocus à détection du visage et d'œil. Et comme je vous le disais en intro, l'autofocus marche vraiment bien en vidéo, c'est-à-dire qu'il ne perd pas l'œil. C'est quelque chose qui est assez fou, c'est qu'il colle l'œil et même quand la personne se retourne et que l'œil n'est plus visible, on perd pas le point et dès que la personne revient, l'œil revient directement dessus. C'est quelque chose qui est assez bluffant parce qu'il y a cette phrase qu'on sait dans le monde de la vidéo où on dit l'autofocus en vidéo t'oublie, et ben de moins en moins. Et j'ai envie de dire qu'on verra sur d'autres vidéos que j'ai faites où il y a du mouvement, où on bouge avec la caméra, l'autofocus ne perd pas le point et c'est vraiment vraiment très appréciable. Sur cette vidéo, on a également vu que j'ai... Tu peux la repasser en fond? C'est possible ça, Fabien? Allez, comme ça je commente en même temps. Ouais, et tu peux me la montrer, ce serait génial. Après, si ça t'embête de faire ça, c'est du live, c'est du direct. Tu peux me la montrer aussi, c'est possible? Donc sur cette vidéo, globalement, j'ai voulu tester la qualité d'image brute. Là, on voit qu'il y a des plans 4K 100 fps et des plans 4K 25 images secondes qui sont mêlés. Il n'y a pas de différence d'image parce que du coup, encore une fois, on filme en 4:2 10 bits dans les deux formats. Et j'ai également essayé de mettre des couleurs parce que je suis quelqu'un qui met énormément de couleurs dans mes photos et dans mes vidéos. Et quand on a une qualité d'image un peu plus faible, souvent ça bave. Et là, on voit que sur Erin, sur ce plan qui va arriver, je lui mets vraiment des torches colorées dans le visage. Et c'est quelque chose où les transitions entre les couleurs, ça bave pas. C'est vraiment très très propre. Et du coup, c'est là que je vois moi, personnellement, avec l'expérience, que ce boîtier, il a une qualité d'image qui tient vraiment, vraiment la route. Donc ça, c'était vraiment un premier test que j'ai fait. Pour vraiment voir, je mets l'appareil sur un pied, je fais rec, et puis je vois ce que ça donne. Et du coup, je suis assez content de ces images parce que on a cette image full frame. On a vraiment l'impression que c'est un appareil photo qui fait des vidéos, quoi. C'est-à-dire qu'on a une profondeur de champ qu'on peut vraiment du coup maîtriser. On a un rendu 3D bon, avec cet objectif qui en plus est très bon, le 24-70 de 8. On a vraiment quelque chose qui marche tout de suite. Dans le milieu de la photo, enfin de la vidéo, on appelle ça run and gun, c'est-à-dire que je prends l'appareil, je le pose et ça marche, quoi. Et là, on est vraiment là-dessus. Et du coup, j'ai déjà été séduit du coup par ce petit clip-là qui pour moi marche très très bien. Donc maintenant, on va parler du côté ISO, du côté haut ISO de cet appareil. Donc en fait, le capteur fait 12 millions de pixels, ce qui fait que les photosites sur le capteur sont très grands, qui a du coup moins de chauffe, parce que c'est la chauffe qui entraîne le bruit sur les appareils photo. Et du coup, le fait d'avoir un capteur, un grand capteur, donc full frame avec peu de millions de pixels, ça permet de monter très haut en ISO. Et du coup, je me suis dit que la meilleure façon pour moi d'essayer ça, c'était de tester une vidéo éclairée avec quasiment rien. Et donc, on va passer à la vidéo 2. Fabien, qui est une vidéo que j'ai éclairée seulement avec un truc qui fait des étincelles sur les gâteaux. J'ai été acheter ça et on va la passer. Moi c'est bon, donc nickel. Si tu peux la, si on, je sais pas si on peut la passer en fond à chaque fois qu'on, voilà, parfait. Alors là du coup, sur cette vidéo, on voit plusieurs caractéristiques que j'ai mêlées du coup de l'appareil photo. Déjà on voit que le seul éclairage sur cette vidéo, c'est cette petite bougie qui s'allume. Il y a rien d'autre, si vous voulez. La seule chose qui éclaire cette vidéo, c'est ce petit artifice là. Donc du coup, cet objectif est à 2.8. Donc je suis à 12 000 ISO. C'est quelque chose que je ne pensais pas faire jusqu'à ce qu'on me mette ce boîtier entre les mains, parce que même sur mon boîtier photo, j'ose pas monter à 12 000 ISO en général. Et là, on voit vraiment que le bruit n'explose pas, quoi. C'est pas fourmillant de bruit dans les noirs. Enfin, c'est vraiment, le bruit est très 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 maîtrisé à 12 000 ISO. À savoir que ce boîtier en mode ISO étendu va jusqu'à 400 000 ISO. Donc à 12 000, on est encore très loin de l'ISO max de ce boîtier. Donc je vous disais, on a vu le côté très haut ISO, donc 12 000 ISO.
On voit que ça zoome dans l'image. Là, encore une fois, c'est l'intérêt pour moi de zoomer, de filmer en 4K. Le zoom est numérique, c'est-à-dire que j'ai filmé mon image en 4K et j'ai ensuite été zoomé dans l'image avec mon logiciel de montage. Et enfin, on voit que la vidéo est ralentie. C'est pour ça qu'on voit les petites étincelles très distinctement au ralenti, parce que j'ai filmé du coup à 100 images par seconde sur cette séquence. Alors, je voulais vous parler du 100 images par seconde, parce que c'est un truc qui, quand j'ai cherché dans le boîtier, j'ai pas tout compris. Il est annoncé à 4K 120 images par seconde. Ça dépend si votre boîtier est en NTSC ou PAL. Voilà. Dans notre région, c'est 100 images par seconde, mais vous pouvez le passer en région autre, et du coup, vous aurez accès à la 4K 120 FPS. Quoi. Ce qui du coup n'est plus un problème de nos jours, en vrai. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. On va passer la vidéo 3, sans que tu la lances tout de suite, hein, il me semble que c'est celle de Julien. Pour la vidéo 3, en fait, bah, je me suis servi d'avoir ce boîtier pour aussi faire plaisir à mes potes. J'ai un copain à moi qui devait faire une vidéo pour une marque de guitare, et bah, je lui ai dit, bah, viens, on la filme, comme ça, moi, ça me fait quelque chose à montrer sur le live, et comme ça, toi, bah, du coup, tu auras une vidéo promo qui tient la route. Du coup, on est passé sur un setup. Je vous laisse voir la vidéo et ensuite on parle du setup. Tu peux lancer la 3 si tu veux. Donc déjà, tous les gens qui aiment la musique et tous les mélomanes auront pu apprécier le jeu de guitare de Julien Rosenthal, qui est quand même assez exceptionnel. Donc là, sur cette vidéo, le but, c'était vraiment qualité d'image. On voulait un petit spot qui envoie sévèrement. Encore une fois, j'ai été mettre des lumières un peu partout, j'ai mis de la couleur partout et ça bave pas, ça bave dans les magentas. Souvent, en plus, c'est une teinte qui est assez compliqué une fois que c'est compressé et qu'on met ça sur internet. Et là, on a vraiment une fidélité des couleurs qui est assez ouf. On appelle ça la color science, je crois, dans le monde des youtubeurs tech. Vraiment, chez ce boîtier, chez Sony, qui est vraiment cool, c'est-à-dire que je peux traiter mes fichiers, je peux pousser l'étalonnage et j'ai une latitude assez cool. En parlant de latitude, c'est le meilleur moment pour vous dire que j'ai filmé toutes ces vidéos avec le profil d'image S-Log 3. Filmer en log, en vidéo, c'est quelque chose qui pour moi est important quand on cherche à étalonner et vraiment à avoir une qualité d'image et j'ai envie de dire des étalons créatifs. Le S-Log 3, c'est donc le log de chez Sony. Le log, qu'est-ce que c'est? Si je devais me permettre une petite vulgarisation, j'aurais envie de dire que pour moi, le log, c'est vraiment la marche entre le JPEG et le RAW, c'est-à-dire que c'est un format qui permet d'étalonner assez finement. Quand on filme en log, on a presque l'impression que l'image est en noir et blanc. Et ensuite, c'est avec notre programme d'étalonnage qu'on va aller chercher des couleurs saturées, du contraste et tout. Mais le but, c'est de filmer très plat, très 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 plat, pour ensuite tout booster en post-production. Et donc c'est vraiment pour moi l'espèce de marche du coup, dans le monde de la vidéo entre le JPEG et le RAW. Et c'est quelque chose qui, moi, je m'en passe plus. J'ai déjà filmé dans des formats qui ne sont pas log et quand j'étalonne, j'évite des couleurs qui cassent ou autre. Et là, le S-Log 3 de chez Sony, il est vraiment très très puissant et il est donné dans les specs de Sony. Vous avez le fait que l'A7S 3 promet 15 stops de dynamique. C'est dans ce format-là que l'A7S 3 promet 15 stops de dynamique. Donc c'est le S-Log 3, c'est vraiment le format qui pour moi est le plus approprié pour faire des vidéos de ce type-là, quoi.
Alors, petite chose, encore une fois, moi je ne suis pas adepte des menus Sony et tout ça. J'ai eu un peu de mal à le trouver, j'ai dû les voir sur internet. Le S-Log Pro, en fait, c'est le profil Picture 8 dans le boîtier. Voilà, je donne l'info si quelqu'un la cherche, parce que je l'ai cherché moi-même. On a fait un, pour les gens qui s'intéressent à l'éclairage, j'ai fait un backstage de ce plan-là, que je vais commenter, si tu veux le lancer, Fab, on peut. On part sur un setup avec 5 sources de lumière, assez énervé. Et donc on a en fait une boîte à lumière avec une grenée d'abeille sur son visage, pour avoir quand même une couleur normale, il faut quand même qu'on voit les doigts, qu'on voit la main. Et ensuite, on a deux sabres à LED violets de chaque côté, sur le côté en split. Et au fond, on a deux panneaux LED qui sont du coup en couleur un petit peu bleutée. Et c'est ce qui donne l'image qu'on a vue juste avant, que je trouve moi assez convaincante. J'ai trouvé que ce boîtier, c'était... finalement, un boîtier assez facile à utiliser, pour peu qu'on sache un peu où mettre les mains, mais ça, c'est comme n'importe quel boîtier, quand on le prend, une fois qu'on a un peu les fonctions en main, on sait tout de suite où on va. Et c'est un boîtier que j'ai trouvé assez simple. Ça se manipule comme un appareil photo, finalement, et ça filme très 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 fort. Donc on va continuer un petit peu la mise en route de ce que j'ai fait. Tu peux mettre la vidéo suivante, qui est une vidéo du coup de Valentine que j'adore, où là on est parti sur un truc avec un peu plus de fond. Donc là, en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir une petite scène que j'avais en tête depuis un petit moment, une scène un peu burlesque pour dédramatiser la rupture amoureuse. J'avais en tête d'avoir ce petit personnage qui vient de se séparer et qui s'en fout. Et je trouvais ça assez rigolo, le contraste de la rupture et de la joie de cette modèle. Alors, on a Valentine qui est maquillée par Justine Chéry, qui ont déjà fait un boulot formidable, ce qui n'a rien à voir avec le Sony A7S3, mais que, que je peux quand même souligner. Et là, ce qu'on peut voir du coup, c'est encore une fois l'intérêt de filmer en 4K, c'est que j'ai des valeurs de plan qui sont différentes, alors que tout est filmé avec la même focale, et je vais moi zoomer dans l'image avec mon film en 4K. Encore une fois, j'ai mêlé, on les voit actuellement, j'ai mêlé des plans en 100 images par seconde et en 25 images par seconde, et il n'y a aucune différence du coup de qualité d'image, parce que ça filme encore une fois en 4:2:2 10 bits dans les deux formats, et c'est quelque chose qui est vraiment très 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 appréciable. L'image est très qualitative, ça se voit, et je me suis même permis de mettre un overlay, je sais pas comment, je deviens Jean-Claude Van Damme, je parle même plus français, de mettre une texture par-dessus l'image, un peu vieux film, vieux grain, parce que l'image était très propre, quoi, très lissée, et moi je voulais ce côté un peu pellicule, donc j'ai mis du grain par-dessus l'image. Et c'est sur cette vidéo que du coup je voulais parler de ça. Pour moi, ce boîtier, c'est tout terrain. On le met en reportage, il est assez léger. Je le mets sur un Ronin ou sur une crosse d'épaule. Je le mets en autofocus. Je peux faire du reportage avec une qualité d'image que je peux choisir raisonnable pour son poids. J'exporte ma carte, je monte très vite, c'est possible. Maintenant, si je veux un truc qui arrache vraiment, je le mets en All-E, en 600 Mbps. J'ai des cartes mémoire qui vont fondre. Mais par contre, j'ai une image que je peux vraiment aller traiter. Et ce boîtier, il permet les deux. Pour les gens qui font de la fiction, souvent je sais que le côté full frame hybride très piqué, c'est un truc qui peut déranger, et j'ai vu des interviews de chef op de Real avec qui je suis assez d'accord, qui disent vaut mieux avoir un boîtier qui a trop de détails sur lequel on peut mettre un filtre de diffusion qui du coup va permettre d'enlever un peu ce détail rendu très 3D plutôt qu'avoir un boîtier qui n'a pas assez de détails et qu'on doit rajouter en post-prod, et donc du coup pour les gens qui seraient un peu effrayés de ce côté vraiment très tranchant, parce que ça pique, hein. Y a toujours un moyen de mettre un filtre de diffusion. Il y a des Cinebloom qui existent, il y a des Black Promist et compagnie, c'est des filtres qui existent parce qu'ils sont faits pour ça, en fait. Ils servent simplement à enlever un peu de piqué sur les caméras actuelles. Donc voilà,
C'est vraiment une caméra que moi je trouve très 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 versatile. Et ben, je pense que, enfin, j'espère du moins que les images parlent d'elles-mêmes. Et de pouvoir, encore une fois, hein, je le répète, mais de pouvoir mêler du ralenti, du pas ralenti, avec vraiment la même constance dans les qualités d'image. Je me souviens personnellement, il y a pas longtemps, j'ai fait pour un pote à moi, j'ai fait une petite pub pour son école de musique. Je voulais que des gros ralentis, je voulais faire ce qu'on appelle du b-roll, un truc un petit peu à la mode, où on prend l'appareil à la main. Et donc, j'avais pas encore ce boîtier, j'avais mon GH5. Et le GH5, dans son plus gros ralenti, il filme en 4.2.0 8 bits, au lieu de 4.2.2 10 bits, du coup. Et ça, moi, je pensais pas que la différence serait aussi extrême. Et quand j'ai mis ça dans mon programme d'étalonnage, j'ai vraiment vu une diff, quoi. J'ai vraiment vu des couleurs qui bavaient un peu parce que j'ai mis des gélatines de partout. Donc c'est vraiment appréciable de pouvoir ne plus se soucier de si on veut ralenti ou pas. Et ça, je trouve ça vraiment très 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 appréciable. Cette vidéo, pareil, s'il y a des gens qui sont fans d'éclairage, on a un petit backstage que tu peux lancer. Alors là, c'est vraiment très simple en plus. Pour le coup, j'ai une découpe en lumière continue, du coup, qui va faire le rond autour de Valentine. J'ai un spot, enfin spot. Je commence à parler comme des gens de 75 ans. J'ai un projecteur du coup vers le haut qui me fait un fill-in général sur la pièce pour vraiment avoir la texture un petit peu du fond derrière. Et j'ai deux spots encore une fois derrière elle, deux panneaux LED qui vont un peu la détourer. Mais en fait, l'effet de la poursuite est tellement fort que c'est vraiment très 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 fin. Si je les enlevais, je perdais vraiment du détail sur le fond. Mais ce setup-là, c'est la poursuite, hein, vraiment qui fait tout, quoi. Donc voilà, tu peux passer en pleine cam si tu veux. On va passer sur la dernière vidéo que j'ai tournée, qui est beaucoup plus grosse pour le coup. Hop là. Et il y a une fonction du coup de ce boîtier, parce que là, pour le coup, j'étais dans des environnements maîtrisés. Jusque maintenant, j'étais en studio, j'étais chez moi. C'était assez simple à mettre en place. Et j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus scénarisé, un peu plus fiction, si je peux me permettre le terme. Et j'ai voulu sortir un peu avec le boîtier, voir comment il se débrouillait en lumière naturelle, voir comment la F se débrouillait si moi je bougeais, parce que jusqu'à maintenant les modèles bougeaient, mais l'appareil était sur pied. Et donc je voulais voir vraiment le crash test du boîtier, quoi. Un truc qui change vraiment la vie, si certains constructeurs veulent l'entendre, c'est ça. Ça vraiment. Ça paraît bête parce que souvent, quand on parle de ça, tout le monde dit oui, on fait du vlog avec. Alors évidemment, pour les gens qui veulent vlogger, si vous voulez une énorme qualité d'image, vous pouvez vous voir pendant que vous filmez. Mais ça peut aussi faire ça. Et ça, en fait, quand on va filmer, comme je l'ai vu dans des conditions un peu plus live, eh ben, quand l'appareil est en bas, eh ben, j'ai une vision sur mon écran qui est vraiment bonne. Et ça, c'est quelque chose qui est un confort, mais c'est considérable. D'ailleurs, l'écran, je le trouvais vraiment cool parce que j'ai filmé dehors, j'ai pas eu de soucis de reflet, le contraste est vraiment bon sur l'écran. Et le focus peaking, il est vraiment. Enfin, on voit clairement, on peut le régler d'ailleurs le niveau de focus peaking, mais on voit clairement ce qui est net ou pas net. On verra plus tard d'ailleurs. Vous voulez que je branche? On verra plus tard d'ailleurs que Tu m'as fait perdre mes mots, Guillaume. On verra plus tard sur la vidéo que j'ai faite que je l'ai utilisé en extérieur et que du coup, il y avait de la neige ce jour-là. C'était assez galère, quoi. D'ailleurs, je m'excuse auprès de tous mes acteurs et des gens qui sont venus m'aider. On a eu des tempêtes de neige, on a tout eu. Et j'ai pas sorti l'écran de retour. J'ai vraiment mis l'appareil sur un stabilisateur. On avait quelqu'un au-dessus de moi avec un parapluie. Et j'ai réussi à filmer toutes les scènes avec l'écran qui est sur le Sony, et j'ai eu aucun problème. Et en parlant d'écran confort, il y a un truc qui va sûrement plaire aux photographes et aussi du coup aux vidéastes. Je sais qu'il y a des vidéastes qui aiment bien avoir l'œil dans le viseur. C'est un discours que j'entends de temps en temps. Alors moi, en vidéo, j'aime pas. Personnellement, moi, ça me perturbe. Mais je sais qu'il y a des vidéastes qui aiment avoir l'œil dans le viseur. Et le viseur électronique de ce Sony, il est. C'est assez, assez fabuleux. C'est monstrueux. Je sais, faudrait que vous mettiez l'œil dedans pour vous en rendre compte en fait. Mais c'est clairement un des meilleurs viseurs que j'ai pu voir. Et donc, on va lancer, tu peux la préparer doucement avant que je la lance, un petit court-métrage avec beaucoup d'émotions que j'ai fait il y a beaucoup de semaines.
Et on va le regarder ensemble et ensuite on parlera de comment ça a été fait. Je m'appelle Lou, j'ai 24 ans. Je crois que je suis en train de réussir ma vie. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'ai fait des études, j'ai un joli métier. Quand j'étais petite, je dansais tout le temps, ça me faisait rêver. Je mettais la table en dansant, j'allais à l'école en dansant. J'avais ce tutu rose que je portais à longueur de journée. Je voulais jamais l'enlever. Il y a même des nuits où j'ai dormi avec. Puis un jour, on m'a dit qu'on n'avait pas le temps, que je devais me dépêcher, que c'était pas une tenue pour aller à l'école, un tutu. J'ai grandi et j'ai arrêté de danser. Et si on devenait grand en restant des enfants? Si on s'autorisait à faire ce qu'on aime sans se soucier du regard des gens? Et si on prenait le temps de perdre du temps? Sautez, tournez, courez si c'est ce qui vous fait vibrer. Et riez, je crois que c'est important. Un jour, on ne pourra plus danser. Alors, dansez maintenant. Alors, cette vidéo, pour le coup, moi j'en suis assez fier. Je l'aime bien. C'est vraiment, j'ai commencé cette année une série complète de ce format de vidéo avec une voix off, des images belles et puis un peu de fond, quoi. J'aime faire des vidéos qui ont du fond. Et celle-là me parle beaucoup. En plus, c'est ma petite nièce qui danse. Et du coup, c'est bon, petite fierté du tonton, parce que je trouve qu'elle a vraiment, vraiment fait le boulot. Et là, on est vraiment sur une config qui est plus une config, ouais, j'ai envie de dire fiction. C'est pas vraiment de la fiction. Et puis, j'ai pas la prétention de dire que je fais de la fiction. Mais on est en tout cas sur une config. Là, par exemple, la scène où Lou danse, tout est fictif. C'est-à-dire qu'il faisait quasiment nuit. Tout est rééclairé. Et je vais vous montrer ça après, justement. Là, la partie qui va nous intéresser pour parler de ce boîtier, c'est vraiment la partie dehors. Parce que la partie à l'intérieur où Lou danse, le boîtier, c'est très maîtrisé, il est sur un trépied. Et du coup, c'est moi qui gère l'éclairage, c'est moi qui gère tout, y a rien ne peut se passer, quoi, ça marche tout seul. La partie où Lou court, danse et tout dans la rue, parce que du coup, c'est Lou et Lou. Hein. J'ai pas fait exprès pour le coup, mais les deux s'appellent Lou. Quand elle danse dans la rue, là, pour le coup, on est en mouvement. Et c'est ici que le tracking de l'œil m'a vraiment bluffé. Parce que j'avais... Alors, tu peux mettre la première photo où on montre qu'on est très galant. On va se prendre des sauces. En fait, j'avais vraiment peur parce qu'il y avait des rafales de neige. Et là, on voit vraiment que... La priorité, c'était pas de protéger le modèle, quoi. J'ai presque honte et je m'excuse de cette image qui est du coup de Jérémia. J'ai honte parce que j'avais juste peur que le boîtier prenne la sauce et du coup, on voit Lou à côté qui n'est pas protégé du tout. Désolé. Du coup, tu peux repasser sur la vidéo. Ouais. Du coup, je suis passé en mode AF suivi sur l'œil. Et tu peux mettre le backstage 2 de celle-là, c'est la toute dernière, je crois. Voilà ça. Et en fait, voilà, là, c'est vraiment ce qu'on appelle du run and gun. C'est-à-dire que j'ai mon stabilisateur en main, j'ai mon appareil, j'ai mon boîtier, et ça roule, quoi. J'ai besoin de rien d'autre. La F, il marche. J'ai pas besoin de pointeur, j'ai pas besoin de garder la même distance, parce qu'en fait, du coup, quand on n'a pas d'autofocus en vidéo, il y a deux solutions. Soit on garde la même distance entre la personne qui est filmée et celle qui filme pour que du coup la mise au point ne bouge pas. Soit on a quelqu'un qui pointe avec un système HF et un focus picking, un follow focus. Et là du coup, ben, je ne suis pas pour dire qu'il ne faut pas faire travailler les gens, hein, mais ça évite d'avoir une personne qui fait ça, quoi. Et
pour ce genre de petites scènes, c'est plutôt agréable. Alors après, évidemment, si on fait de la fiction et qu'on veut avoir des mises au point qui bougent et tout, on va repasser en manuel. Mais il y a des touches programmables sur le boîtier et je peux programmer autofocus et manuel focus sur un bouton. Je passe d'un à l'autre, d'une seconde à l'autre. C'est ultra, ultra appréciable. Et on voit des images où Lou, elle tourne et la F, il se plante pas. J'ai pas eu de rush où je les ai jetés à cause de la F. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé parce qu'en fait, il faisait très très froid ce jour-là. J'avais les mains gelées, Lou était en tutu. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire vite pour pas que tout le monde tombe malade. Et c'était vraiment ultra appréciable de mettre l'appareil sur un stab et d'y aller. Alors pour les plus perspicaces d'entre vous, vous remarquerez que sur cette vidéo, je n'ai pas le 24-70-2.8. Mais ça me permet de dire deux choses déjà. Parce que en fait c'était clairement parce que je voulais pas avoir trop de poids parce qu'on a filmé quand même quasiment une heure et du coup on a pris des Ice que Jérémy m'a prêté et donc malgré le fait que les optiques que j'utilisais là soient des Ice et non pas d'optiques propriétaires Sony, la mise au point était vraiment parfaite, donc la compatibilité entre objectifs, il y a vraiment vraiment rien à redire et ça marche très 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 fort. Autre chose très importante, il y a une deuxième photo que je voulais te faire montrer, Fab, je crois que tu l'as, celle où je suis au sol un peu. C'est le côté pratique de cet écran-là. C'est ouais, la dernière. Et là, on le voit très clairement que je filme au sol, en fait, le plan où elle commence à courir. Et on voit l'écran bah, qui est parfaitement relevé vers moi. Alors là, je suis en train de régler la mise au point. Mais une fois que je me relève, eh ben, j'ai l'écran qui est vraiment pile sur les yeux. Je l'ai au niveau des genoux. Et franchement, bah, c'est d'un confort. Ça, c'est vraiment un confort qui est incroyable hein, de pouvoir avoir le... Clairement, tout le monde devrait mettre ce type de rotule sur un écran parce que c'est quelque chose qui est très, très, très efficace. Et donc, du coup, ça, c'est donc pour toute cette partie-là de la vidéo, c'était assez simple. Ça s'est filmé, encore une fois, en S-Log 3, en pleine journée. À l'étalot, bah, j'ai pu mettre des couleurs un peu cool. Je ne sais pas si tu peux remettre la vidéo en fond. Je te fais faire plein de trucs, mon Fab, je suis désolé. Je vois que tu rushes sur ton ordinateur. Et voilà, j'ai pu faire un étalot... J'ai mis une lutte que j'ai trouvée qui marche pour moi très bien, un côté un petit peu jauni. Pareil sur le plan de ma nièce qui danse. Le S-Log 3, ça permet de capturer l'information et ensuite, on va avec des luttes aller rechercher un petit peu des colorimétries un peu sympas, quoi. Et encore une fois, dans ce plan-là, vous voyez qu'il est mélangé des zooms dans la 4K, il y a des plans qui sont ralentis. Et sans perte de qualité d'image, c'est un truc que je rabâche depuis le début de la vidéo, mais c'est un truc qui est vraiment, vraiment très, très, très appréciable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette série? On parlait de focus picking tout à l'heure, je vais vous montrer ça en live et comme ça permettra un peu de montrer les gens qui bossent. Je sais pas si tu vois mon écran là. Tu vois mon écran, Fab, quand je fais ça? Hop. Ok. Il faut que tu mettes, voilà, moi je vais dans les menus. Alors les menus, parce que du coup, voilà, il est là. Affichage, je l'ai mis en intensif. Hop, on, et couleur élevée. Et donc du coup, quand je passe en focus manuel. Alors est-ce qu'il apparaît sur votre écran à vous du coup? J'ai un doute sur le fait qu'il apparaisse par le HDMI. Ouais, mais je vois pas le focus picking, donc je pense qu'en fait il apparaît... je pense qu'il est sur mon écran, mais qu'il est pas... Bon, bonjour, donc là en fait c'est les gens qui bossent, du coup je vois pas si je suis net ou pas, forcément je suis très loin, les gens qui bossent pour faire en sorte que ces lives se passent très bien et c'est d'un confort pour moi qui est assez inégalable. Et donc ce focus picking se trouve là-dedans, donc dans ce... ça y est, ils sont passés à la télé, affichage intensif, et du coup c'est vraiment, alors il est pas transmis par le HDMI, ce qui est logique, mais il est sur l'écran de retour. Et vraiment, il va contourer en bleu toutes les zones nettes de la vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui... ma plus grande peur quand je suis passé de la photo à la vidéo, c'était la mise au point. J'ai mis des mois à me lancer à cause de la mise au point. J'avais peur de ne pas comprendre comment ça marche, en fait. J'ai regardé des tas de vidéos. Et en fait, quand j'ai découvert que tout le monde disait soit tu gardes la même distance, soit tu utilises un focus picking, finalement, ça marche. Ça marche même très bien. On va repasser sur la vidéo. Il y a une scène de... Les scènes de où sont... Il y a un peu de taf d'éclairage. Et je sais que ça plaît beaucoup à des gens. On va attendre un peu de les voir arriver. Et je sais qu'en général, il y a des gens qui aiment bien voir comment j'éclaire les choses. Surtout que là, on est vraiment sur un éclairage typé fiction.
avec un petit peu de matériel, c'est assez sympa à voir. Donc cette première scène par exemple, il faisait quasiment nuit, donc il n'y avait pas de lumière. Et celle-là que je trouve aussi particulièrement cool. Tu peux mettre le backstage qu'on n'a pas mis là. Ouais, mais je crois que c'est l'avant-dernier du coup. C'est celui-là. Voilà. Donc en fait, j'ai utilisé un projecteur LED très puissant à travers un calque de diffusion, quoi. C'est un grand panneau blanc qui permet du coup d'adoucir la lumière. Et c'est un truc qui se fait très 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 souvent. On appelle ça une entrée de jour. C'est-à-dire qu'on va coller le cadre près de la fenêtre, plus ou moins loin, suivant la douceur qu'on veut. Et ensuite, on fait passer la lumière à travers. Et on a vraiment ce côté lumière très 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 douce, entrée de jour, comme si vraiment le soleil venait taper dans la pièce, quoi. Donc on va attendre la première, que je vous remontre ça, et ensuite on parlera de la deuxième. Voilà, donc ça c'est la première scène, et on voit vraiment ce spot qui tape dans le calque de diff. Et ça marche. Ça marche plutôt bien, ça, on le voit sur la vidéo. Et le deuxième plan qui est dans la cuisine, là j'ai enlevé le calque de diff parce que je voulais une lumière plus dure et j'ai décalé, ça va arriver sur la deuxième vidéo, j'ai bêtement décalé la source pour pas qu'elle soit entièrement par la fenêtre. Parce qu'en fait c'est rare finalement que le soleil tape pile dans une fenêtre. Donc j'ai vraiment voulu simuler cette lumière qui rentre et j'ai rattrapé la face avec un petit LED au plafond pour vraiment adoucir un peu l'image. Et on a vraiment ce côté très fiction. Tu peux repasser la vidéo au final, comme ça on voit de quoi on parle. Ah ben c'est parfait. On va attendre que les plans arrivent. Et donc on va voir qu'on a vraiment un rendu assez naturel et du coup typé un peu film. On s'est un peu cassé la tête sur l'éclairage, quoi. Il y aurait apparemment une question. Alors évidemment, les questions apparaissent devant moi quand ils veulent bien me les écrire, donc n'hésitez. Ah, c'est très petit. Je surestime mes yeux. J'éclaire par les fenêtres. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. C'est un truc qui se fait énormément en fiction. On appelle ça une entrée de jour. Et c'est à ça que servent du coup. Souvent, les gens se demandent à quoi servent les gros HMI. Qui font des milliers de watts. Là, on a la chance de nos jours d'avoir ça en LED maintenant. Là, c'était un spot 500 watts à LED pour le coup qui était. C'est vraiment énorme. C'est un truc que tu regardes pas en face, quoi. Mais tout l'intérêt, c'est de le mettre assez loin et de simuler une lumière du jour, quoi. Donc vraiment, on éclaire à travers la vitre. Mais le calque de diffusion sert à avoir des ombres douces. C'est vraiment une technique d'éclairage très 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 répandue. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ces. Sur ces vidéos que j'ai faites, j'en ai fait 5 petites. J'aurais vraiment voulu pouvoir en faire plus, mais avec la situation actuelle, les fêtes de fin d'année, c'est assez compliqué. Si je devais conclure, c'est un boîtier que j'ai trouvé facile à prendre en main. Il y a des... Les menus Sony, je ne suis pas habitué, donc au début, j'ai ramé un petit peu. Mais c'est un peu comme tout, c'est comme quand on change de matériel, pas forcément de photo ou quoi que ce soit, hein. Dès qu'on change de matos, il y a une nouvelle ergonomie à prendre en main. Donc au début, j'ai un peu passé mon temps dans les menus. J'ai passé une soirée complète à fouiller dedans. J'ai trouvé mes marques. Et une fois qu'on a trouvé ces marques dans les menus, c'est un boîtier vraiment ce qu'on peut appeler run and gun. Je ne sais pas s'il y a un terme français, prêt à l'emploi, quoi. Si je veux être prêt en 2 minutes, je le mets sur une crosse d'épaule, sur un Ronin, j'appuie, j'ouvre. Je mets en autofocus, ça marche. Et si je veux faire des projets plus construits, l'équiper, si je veux mettre une cage autour, si je veux mettre un follow focus, si je veux mettre un moniteur, je peux. Il a une sortie, on va faire un peu le tour, mais du coup, il a une sortie HDMI, full HDMI. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Et il y a encore une question. Il y a même. Et en photo, ça donne quoi? En photo, ça déchire. Si tu restes conscient que tu auras des fichiers de 12 millions de pixels. Encore une fois, l'ergonomie photo est très bonne. On a un très 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 bon viseur. Le capteur, il est très bon. Tu seras aussi bon. La montée en ISO, elle est bonne en vidéo comme en photo. Donc du coup, pour par exemple, je pense aux photographes de concert. Si vous voulez un truc qui éclate tout en ISO, c'est vraiment bon. Mais gardez bien en tête que vous aurez des fichiers de 12 millions de pixels. Est-ce que c'est grave ou pas? C'est vrai que moi, je bosse avec un appareil qui en a 46, des millions de pixels. Et... il y a des fois où vraiment ça m'arrange de les avoir. Comme je dis toujours, il ne faut pas chercher peut-être un appareil qui fait tout. Il faut prendre le matos pour ce qu'il est. 12 millions de pixels, pour moi, c'est suffisant
pour plein d'usages. Si on ne veut pas faire de la com et qu'on ne veut pas cropper, si on ne veut pas faire des choses dans ce style, 12 000 pixels, ça peut suffire. Pour de l'export web ou pour des petits prints, ça suffit. Moi, j'ai commencé, et même bien avant, mais j'ai eu longtemps un D700. J'ai changé mon D700 seulement quand il est mort et il avait 12 millions de pixels. Et ça me suffisait, quoi. Donc, photo, il y a la même qualité d'image qu'en vidéo, j'ai envie de vous dire, hein, mais avec 12 millions de pixels. Il faut bien garder ça. Tu peux m'agrandir un petit peu, je vieillis. Si tu peux m'agrandir un peu, la question. Ouais. Je suis désolé. Qu'as-tu pensé de l'ergonomie globale, poids, taille et prise en main? Alors le poids, il y a un truc où je pense qu'on a vite arrêté d'en parler. Au tout début, un des plus gros arguments de l'hybride, c'était ça prend pas de place. C'est léger. Non, je pense que cet argument, pour moi, il avait vraiment jamais été valable, à part pour des hybrides avec objectifs fixes comme des X Santé ou autres. Mais, et je suis bien content d'ailleurs que finalement ce ne soit plus l'argument principal. L'hybride, finalement, une fois que tu lui mets un objectif comme ça devant, c'est plus tout léger et ça prend de la place. Mais on n'a jamais dit quelque part qu'il fallait partir sur un 7 avec un appareil qui pèse 2 grammes. On a l'habitude d'avoir des appareils qui pèsent un peu, des objectifs qui sont qualitatifs. Un objet qui marche, il y a du verre dedans, et du verre, ça fait du poids. Donc ça, pour moi, c'était un non-argument depuis le début. L'ergonomie est bonne. La poignée, elle est vachement profonde. Alors, je n'ai pas testé 1000 Sony, j'en ai eu une paire entre les mains, j'ai eu la 7R3. L'ergonomie est très bonne. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai des petites mains. Je me dis que si des personnes ont des grandes mains, ils ont peut-être le petit doigt là qui va gêner un peu. Moi, il va très bien, mais bon, c'est à voir si vous avez des très grandes mains. Et encore une fois qu'on l'a pris en main au niveau de l'utilisation, je pense que la première fois, si tu n'as jamais eu de Sony, tu prends dans la main, tu es un peu paumé. Il y a des menus de partout, il y a des boutons, il est vraiment fourni en boutons qui sont programmables. L'écran est tactile, donc tu peux un peu mettre les doigts partout, mais une fois que tu l'as configuré suivant ce que toi tu veux en faire, ça devient très facile, ça devient easy. Comme je vous disais, moi j'ai mis la mise au point sur un bouton, à la fin, tu ne vas plus dans les menus finalement. Tu le règles une fois pour ton projet, suivant ce que tu veux, et tu ne vas plus dans les menus. Quand je parlais des plans ralentis et des plans pas ralentis, il y a un mode ralenti sur la molette qui est vraiment très cool, parce que sur d'autres boîtiers, pour passer en mode ralenti, tu dois aller dans les menus, tu dois aller changer ton mode de prise de vue, et ensuite filmer au ralenti. Et si ça, tu oublies de le changer, et tu te baises, c'est une mal expression, mais tu te baises toute la suite de ton tournage. Et là, du coup, il y a une molette. Donc, il faut que tu gardes en tête que tu as une molette pour passer au mode ralenti que tu auras configuré au préalable. Et en changeant de mode, tout bêtement, tu passes en mode ralenti. Donc, l'ergonomie, pour moi, cool. J'ai vite pris mes marques, finalement. Alors, est-ce que je suis un génie? Je ne sais pas, mais j'ai vite pris mes marques. Christophe me dit, tu vieillis, voilà pourquoi il y a des vieux photographes qui passent par le viseur au lieu de l'écran. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui vraiment, en plus, qui préfèrent avoir l'œil vraiment dans le viseur. Peut-être des gens qui viennent de la photo, qui ont l'habitude de mettre l'œil dans le viseur, ou peut-être des vidéastes qui aiment bien avoir le rendu en direct. Peut-être c'est plus immersif. Moi, je sais qu'en vidéo, j'aime pas trop, et pourtant, en photo, j'utilise jamais le live view, mais genre jamais. Mais du coup, c'est peut-être tout l'intérêt d'avoir un très très bon viseur sur ce Sony A7S3. Alors moi, je suis arrivé un petit peu à la fin de tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas quelle heure il est, ça se trouve, ça fait 2 minutes. Et donc du coup, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Tu avais envie de mettre une photo? Je te vois trifouiller ton ordinateur là. Et du coup, tu voulais montrer mon A7S3 en plein tournage. Donc, si je devais synthétiser un petit peu ce que j'en pense, ça fait de la 4K et ça fait de la très bonne 4K. Je pense que Sony, il envoie un peu le message que la 4K, finalement, n'est pas finie. Ils ne sont pas rentrés dans la course à la résolution en se disant on peut largement filmer en 4K de très bonne qualité et ça fera encore des années. Et je suis en vrai assez d'accord avec ce discours, et surtout ça permet d'avoir des rushs à monter. Il faut pas un ordinateur de la NASA, quoi. Avec un ordinateur
dans la course actuelle, on peut monter ces Rush 4K? C'est une question sérieuse. Est-ce que je refuserais que Sony me l'offre? En fait, en vrai de vrai, cette phrase, elle n'est pas du tout scriptée, ça m'emmerde de le rendre. C'est un truc. Là, à partir de ce soir, je le laisse où je suis. Et il va un peu me manquer. Je vais être content de retrouver mes cams perso qui m'ont bien aidé, mais il va un peu me manquer et je pense que ce sera la fin et la conclusion de ce test. Je vais remercier évidemment DigitPhoto pour la confiance de ces lives. Je vais remercier Sony de m'avoir permis de bosser avec ça parce que c'est quelque chose qui... J'ai une chance, hein, j'en suis conscient, j'ai une chance d'avoir accès à du matériel vraiment cool pour tester et faire mes projets perso avec. Et donc merci, et merci à vous qui êtes là. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci de nous suivre et on se dit à très bientôt sur un nouveau live.